coup, bah on se bat, on va en face là où il y a les machins, les pics. En fait, on n'a pas trop le choix, mais. Bah ouais. Faut aller pousser la porte ici. Attendez, quel est la porte en bas. Il faut mettre quelqu'un qui est très agile à travers les pics pour vérifier si c'est pas un piège. Le Analia se propose une fois de plus de passer. Elle passe sans aucune difficulté entre les pics. Du coup, je pense qu'on va la suivre aussi. Hein. Vous arrivez dans une très grande pièce, plus grande que toutes celles que vous avez encore vues. Je me casse. Je sais que c'est un groupe en fait. Est-ce qu'on peut passer nous ou on doit faire un test? Oui, vous pouvez passer. Merci. Tiens, je me colle au nain pour lui faire un câlin. Je suis dans le nain. Le nain est sur mes genoux. Je suis à l'intérieur du nain. Oh, des runes! Ah non, c'est pas des runes. Oh, des runes à la con, je le sens mal. Ah si, c'est des runes. Ça c'est le signe du sadomasochisme avec la petite laisse. Ouais. Ça c'est un gribouillage d'enfant. Vous arrivez devant de grands piliers ornés de runes et ornés d'une rune bien plus grande à leur sommet. Les piliers font environ 2 mètres de haut. Des lumières de couleur bleue émanent des runes gravées sur tout le pourtour de ces piliers. Oh, c'est des mots pouvoir comme dans ce game. Ah ouais, vas-y, gros, on s'en a. Gon. Je veux un cri de dragon. Gon, est-ce que quand on s'approche, on entend des mecs qui font Non. Genre... Quoi? C'est nul. C'est... Vous entendez des toutefois vous entendez des murmures de voix anciennes lorsque vous vous approchez. C'est un mot de pouvoir. Qu'est-ce qu'ils disent les murmures? Ils sont imperceptibles ou on peut les entendre? Vous pouvez les entendre, mais vous ne parvenez pas à déterminer de quoi il s'agit. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe si on touche un pilier? Il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Juste hors RP. Quel pilier comptes-tu toucher? Celui du spermatozoïde. C'est le lion. Très bien. Tu entends je ressens des quelque chose. Bruits et tu remarques quelque chose, effectivement. C'est-à-dire? Tu entends un bruit derrière toi, tu te retournes et tu constates que les pics se sont séparés. Voilà, c'est pour... C'est... Je pense que c'est entre guillemets la salle de contrôle. Oh, c'est les énigmes. En fait, il faudrait qu'on fasse un truc très simple, c'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un là-bas. En fait, il faudrait qu'on envoie quelqu'un à certaines portes pour voir si ça les ouvre. Parce que ouais, si en fait, on n'a pas de talkie-walkie, en fait. C'est pas le problème des talkie-walkie, c'est le problème, en fait, de, par exemple, tu vois la porte juste en haut à gauche de nous, il y a des slimes. Ouais. Et si elle s'ouvre, on est dans la merde. Donc, il faudrait que quelqu'un soit devant la porte. Comme ça, si elle s'ouvre, le mec peut revenir rapidement avec nous et nous dire « Attention, la porte ouverte, faut qu'on se tire. » Ouais, mais il faudrait pas l'enfermer non plus. Ouais, je pense que ça devrait passer, mais... Genre ici, on peut pas se renfermer. Attends, juste question, Siegfried, si jamais je rappuie sur le même pilier... D'accord, donc en fait, si on appuie sur le même pilier, du coup, ça... Il n'y a pas de couilles, ça va. Donc, Erin, tu as constaté, effectivement, que si tu réappuyais, la même action se reproduisait. Donc, ouais, on pourrait faire ce qu'a dit Edirne, et... par exemple, je sais pas, que j'aille... voir juste en haut, là. Voir les blobs, là, enfin, les limons, là. Et tester pour pouvoir juste savoir lequel est dangereux. Genre appuyer sur 1, voir que ça ouvre et refermer direct. Ouais, parce que si on libère les Morvax... Du coup, on fait ça? Ouais, je pense. Du coup, maintenant, c'est vraiment plus des pièges, les machins là, c'est vraiment pas des pièges. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est si jamais il y a un machin qui... Ouais, non, je pense pas que ça les tue. Mais genre, si jamais on peut les attirer et les écraser en plein... Ouais, non, ça va pas les tuer. Non, mais... Ouais, du coup on fait ça. Moi. Qu'est-ce que c'est chiant à tuer les limons, putain. T'as vraiment choisi le meilleur mob pour nous emmerder, hein. Est-ce qu'on a tué? Non. Ah ouais. On n'a jamais tué encore. Est-ce qu'on sait comment tuer? Du coup, Siegfried, je me suis mis en haut, c'est possible? Oui, très bien. Tu peux le faire, effectivement. Vas-y, le mage, essaye d'appuyer sur cette rune pour... Paf. J'appuie. Tu essaies d'appuyer? Tu tentes d'appuyer, tu entends un roulement. Ok.
C'est juste pour les pics, c'est pas pour les portes, dommage. On sait pas, hein. Faut essayer peut-être l'autre. Hein. Attends, les pics viennent de s'activer. Et tu en entends un deuxième. Par où? Dans cette direction. Bah, j'avoue, t'es pas obligé de voir. Ah, la porte s'est peut-être ouverte, c'est possible, vu qu'il y avait une porte, je me rappelle là-bas. Il n'y avait pas des blocs. Attends, j'ai un souvenir, il y avait une porte. Je me souviens qu'il y avait une porte dans cette direction. Il y a à peu près 32 mètres, je me rappelle parce que je la vois. Je vois très bien, vrai. J'ai une excellente mémoire visuelle. Je me rappelle même qu'elle s'est ouverte. Du coup, essaye d'appuyer sur le dernier pour voir. Ouais, celui du milieu, pour voir ce qui se passe. Go! L'Uanalia peut appuyer, elle est dessus de toute façon. Oui, elle le fait et vous entendez à nouveau deux roulements. On sait de quelle direction ils viennent cette fois? Un vient d'ici et un Donc les pics. vient de par là. D'accord. Faudra les check en fait dans les directions, faudra se séparer et voir ce qui s'est passé dans les directions avec les portes. Et on se rejoint ici, on se rejoint là où nous sommes déjà pour faire le point. Bah moi je vais aller en bas, enfin, je pense. Tu vas en bas à droite? Ouais, là où Il faut qu'il y ait quelqu'un qui je reste. Moi j'ai rien vu Ah. non plus en haut, y a rien qui a bougé en haut. Non, rien n'a bougé en haut. Bah donc reviens, ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien, en haut Je y vais a rien. rester avec les. Je vais rester avec Aïkia et Du coup, Luanalio. on est tranquille avec les blobs. Pendant ce temps-là, un petit wisp se baladait. Mais à quel moment on va le voir ce wisp? C'est pas possible. Je suis quasi sûr, si je dis peut-être des conneries, hein, mais je suis quasi sûr que c'est genre, entre guillemets, l'observateur du roi du donjon. Tu vois ce que je veux dire? Genre. Bah oui, Dans c'est. l'idée, c'est un truc qui nous follow et qui nous observe, donc je pense que oui. Dans le truc, c'est comme le feu follet de Callisto. J'ai l'impression. En fait, c'est une caméra de surveillance. Ou alors, ça se trouve, c'est le boss, hein, mais faut pas dire. Le boss, tu sais, en fait, le Tu sais, il boss va est faire une transform au complète. Megazord. C'est le boss, il arrive, il fait chouette boss. Qu'est-ce que vous faites? Roderick, tu Donc avais là, je voulais l'intention? aller en bas à droite. Ouais. Je Très vais bien, je aller te en laisse bas, si vous voulez. déplacer ton token jusqu'à l'endroit où tu veux aller. Mais c'est fermé. Oui. Ah oui, c'est fermé. Déçu. Ah, mais faut réappuyer sur le lion. C'est le lion qui l'a ouvert. Je vais appuyer. Je vais appuyer sur le lion pour laisser mon allié passer. Très bien. Pour que les pics, en espérant que les pics se referment. Aïe, je peux passer. Vas-y, je te laisse un petit peu avancer ton token. Un petit peu. Oui, et je te demande un test de vigilance. Ok. C'est sur quelle stat la mentale, je crois? Oui, mental. 80, 78, ça ça passe. passe. Tu remarques furtivement un mouvement dans cette direction. Si. Par là. Encore des blocs de merde. Oh La merde. porte qui était dans une autre position vient de se refermer. Ah bon? Ah, oh, c'est un timer. Ah ok, non je pense que tu viens de la refermer en appuyant sur le bouton. Merde! Bah tu viens de la fermer en ouvrant le truc en question. Essaye de rappuyer sur le même. Rappuie donc. Attends. Je vais rappuyer dans ce cas. Mais je On voit ce pense qui que se dans passe. cette porte il y avait des blobs parce que bah, s'il a vu un mouvement. Non mais il les voit arriver de loin au pire. Je l'ai eu où? Tu rappuies Au sur le pire, il est déjà bouton? enfermé. Je Ouais, suppose. on rappuie. Je suppose que ça n'a pas fait bouger l'autre porte. Si. Si. Ok, Quand tu avances plus. donc là au moins la Je bonne lance nouvelle, prudemment. c'est que si jamais il a vu un mouvement, il est bloqué de l'autre côté. La mauvaise, c'est qu'il pourrait revenir par en haut là. Et s'il revient par en haut, il n'y a J'ai pas dit le aucune manière. mouvement, c'était la porte. Ah. Il a rien vu de globuleux partir par là. Non, c'était juste la porte qui a bougé. Ok, bon, on D'accord, peut donc en dire que fait, c'est la on porte. reste. Bah dans ce cas, tu continues à avancer, je suppose. Oui, mais Non, en fait, je non. fais attention quand même. En fait, le problème, c'est qu'on peut pas passer tous les trois, je crois. Attends, ah si, si, on. Non, on peut pas passer tous les trois.
Au pire, on peut faire le tour. La porte ici, si elle bouge, peut-être, on peut faire le tour de la porte en bas. Bah non, on est bloqué ici. On est bloqué en fait. Si jamais on fait le tour, on sera bloqué ici. Pas forcément, il y aurait moyen, mais Je c'est pense qu'il compliqué. voulait dire faire le tour par ici. Non. Ah ouais, faut On peut voir. faire le tour par le bas et par le haut, mec. Faut voir si on peut, si ça change quelque chose à ces portes-là. Si jamais ça bouge la porte ici. Mais elle a bougé, elle a Pas. bougé. Bon, bref, avançons. On verra. Je propose que le mage avance et on verra ce qui se passe. Oui, moi j'avance. Ouais, mais le problème c'est qu'il va pas pouvoir nous parler, genre à Ah partir oui, de non, ici. mais on fera mine de ne pas être au courant des informations. Je peux crier. Bon, non, là t'as plus la portée de voix. Je pense que là t'es plus à portée de voix vraiment là. Rodrigue, tu J'aurais dit. continues à avancer? Ouais, je continue. Je vais au moins jusqu'au croisement. Tu remarques que la porte qui était tout à l'heure fermée est ouverte d'un sens mais fermée de l'autre dans lequel vous l'avez emprunté. C'est-à-dire que vous étiez passé comme ceci. Maintenant vous ne pouvez Voilà. plus passer par là. Vous pouvez seulement passer par Ok. ici. Il repassera par là. Ok. Tu t'avances quelque peu encore? Oui. Tu remarques la présence d'un long escalier. Vas-y, on l'enferme. Oh, ouais, bonne idée, j'ai appuyé sur le bouton juste pour me barrer. Pour lui faire un petit coup de flip. Mais il est déjà enfermé. Ah! Ouais, je suis enfermé avec les spikes. Ah oui, c'est vrai que tu les enfermes avec les pics, j'avais complètement oublié, désolé. C'est dommage. Bon, dans ce cas, je suppose que tu veux continuer. Soit Oui. tu continues à avancer, soit tu viens nous donner les informations, on n'est pas au Je courant. reviens, je vous dis, il y a un escalier. Tu veux revenir? Oui. Si Siegfried est bien d'accord Oui, avec, tu je pourras suis revenir. d'accord. Parfait. Du coup, il faudrait y aller, sauf qu'en fait, je pense pas qu'on va pouvoir y aller tous les trois, en fait. Mais si! Tu penses? Oui. Faut tenter. Dans ce cas, Allez, faut déjà. Il y en a viens, deux. Il y en a deux qui sont faciles à passer. Mais le trois. Enfin, il y en a deux qui peuvent passer facilement. Mais le dernier. en plus, sur le bouton du milieu pour voir. On a Ouais, déjà appuyé. Lui, Anneli a déjà appuyé. oui, mais c'est parce que je me rappelle plus ce que ça fait. On a entendu deux bruits. Oui, bah c'était l'autre porte. La porte du bas, là. La porte du Faut bas, oui. tenter. Est-ce que si on appuie sur celui du milieu, ensuite, si on a, on va par là, est-ce qu'on voit un changement sur cette porte là? De quoi? Quelle porte? De quoi tu parles, en fait? Ah, donc là. Ah Si on là, appuie mais la sur verrouillée, celui c'est du la milieu, porte qui a bougé. elle a bougé qu'on appuie sur celui du milieu, c'est ça? Moi, Laquelle? je Ping. propose. Mais il y a celle, tu vois, celle à partir des ruines, tu vois en bas à gauche. Ouais, celle-là. D'accord. Oui. Quand vous avez appuyé là, c'est ça? Quand on a appuyé sur celui du milieu. Ici, oui. Ouais. Déjà, je propose de faire rentrer le mage dehors. Je peux rester là pour vous, ça porte beaucoup. Non, mais faire rentrer le mage et ensuite on va tous en bas à gauche parce qu'en bas à gauche il y a un chemin où on peut tous accéder. Si la porte bouge, on peut aller aux escaliers. Et non, parce qu'il y aura toujours un mec ici qui sera obligé d'être coincé. Bah non. Bah si. Mais non. Mais Pas si. forcément en fait, faut Mais non. trouver. Pas Tiens. forcément en fait. Si on arrive à Ben. passer, si on Deux arrive secondes. à changer ça, c'est bon. Mais déjà, faut faire rentrer le mage. C'est déjà un Mais truc. non, mais Pour qu'il nous parle. remets la cam. Oh, Mais tu c'est là m'emmerdes, que je peux toi. parler. T'appuies là, la porte la s'ouvre, c'est comme ça. Ah oui, voilà. Ça, je peux Parce que c'est rester la là. porte à fermer. Mais non! Mais si. Mais non, c'est les deux autres qui fermaient cette porte-là. C'est les deux autres. Oh putain, il y en a trois, c'est déjà trop. Et toi, t'es. Siegfried, ça fait quoi si j'appuie sur celui du milieu? Déjà. T'appuies sur celui du milieu, tu le fais? Ouais. Alors, celui du milieu. Rodrigue, tu remarques un mouvement. Voilà. Ici. Ben voilà, c'est bon. Et vous, dans la grande salle, vous remarquez un mouvement ici. Les Ah spikes. merde. Je vous En avais fait, prévenu, ouais. hein, vous m'avez pas écouté. C'est pas grave, il y a quelqu'un qui peut passer derrière. Peut passer derrière, ensuite on appuie. Il peut passer et ensuite on est baisé. Attends, je voudrais bien essayer un truc. Vas-y. Toi, Rodrigue, tu vas aller là, d'accord? Oui.
Appuie sur celui du middle. Tu veux bien? On va savoir ça. Appuie sur celui du milieu, s'il te plaît, mon cher Mael. C'est parti, je le fais. Voilà, donc la porte bouge. Ces pics-là vont se défaire. Oui. Et d'ici de là, on passe par là et on te rejoint, on va par là. C'est beaucoup plus simple. Et après, on réfléchira après à l'autre côté. Pour l'instant, il nous reste des trucs à explorer. Toi, t'aimes pas réfléchir. C'est pas le problème de je vais pas réfléchir, c'est le problème de. Il y a un endroit à explorer, on l'explore. Toi, t'es avide. Non? Avide de pognon. Je suis pas avide de T'es pognon. avide de loot. Bon, du coup, vous suivez ou vous avez pas envie d'aller de ce côté? Tu veux aller regarder là en bas là? Ouais, en bas, parce qu'on sait pas ce qui se passe. Ok, bah là c'est facile, effectivement, on appuie sur celui du bas et on pourra passer direct. Non, mais là, c'est bon, on peut déjà passer, hein. Ouais, bah là non, parce que c'est fermé, Si, on peut passer par il est la fermé gauche, elle est. ici. Non, mais là. Ah, je voulais regarder par ici. Bah oui. Parce qu'il y a aussi par ici qu'on peut aller facilement. On fera les deux. Ouais, on va faire les deux au pire, comme ça on cherchera plus tard. Très bien, donc qu'est-ce que vous faites? On va aller là-bas, je pense. On va à la zone ouverte. D'accord, je vous laisse vous déplacer jusqu'à la zone ouverte. À vos yeux se révèle une pièce T'as oublié quelqu'un. Ouais. de petite taille contenant une autre colonne. Oh le relou. Oh la chiantise du truc, quoi! Oh mon gars, le bordel. Bah du coup, qu'est-ce que ça fait si on appuie dessus pour voir? Vous appuyez dessus. Très bien. Ouais. Vous entendez deux bruits encore distincts. Et Siegfried veut qu'on attend. Siegfried veut qu'on avance vite, mais il nous met des énigmes de génie là, on peut pas. On est con, nous, il nous faut des trucs faciles! Ok, donc ouais, mais ça en plus on peut même pas le voir d'ici. Si je pense, je sais pas si on peut le voir d'ici. Non, vous pouvez pas, mais bon, je fais comme si vous, d'après les roulements, vous devinez ce qui s'ouvre et ce qui se ferme. D'accord. Je sais pas ce qui a bougé, mais ça bouge apparemment. Bah ça a ouvert en fait là où ça nous bloquait tout à l'heure, là. Pour pouvoir Ah, aller très bien, en bas ça a dans fait la juste ça. nuit. Bah oui, c'est ce qu'on a entendu en tout cas. On a entendu deux roulements, mais je sais Je pas propose si... quelque chose. Ouais. Je vais rester ici pour pouvoir appuyer sur la colonne, d'accord? Il faudrait que quelqu'un en fait, ou alors on reste tous ici, il faudrait que quelqu'un remonte ici et appuie sur la colonne du bas en fait. Voir ce qu'il se passe. Parce que justement là ça break le truc, ça a ouvert des deux trucs de la colonne du bas, tu vois ce que je veux dire? Genre par exemple si on appuie sur celle du bas, ça ouvre la Ah, porte, ça si y on est, appuie sur celle de... en plus. j'ai trouvé, Thibaut. Genre, faut qu'il y ait simplement une personne qui reste, enfin, par exemple, tout le monde reste là où on est, et il y a quelqu'un qui fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire on va dans la salle ici, il y en a une personne qui reste, qui va dans la salle où il y a les trois runes là, et dans la salle des trois runes. On fait d'abord passer les gens qui sont là-bas. Donc il y a la rune qui permet de switch ça, qui permet que toute l'équipe aille ici. Et ensuite on rappuie sur la même chose pour pouvoir passer de ce côté-là. Tu vois? Là, j'ai le cerveau qui chauffe. Sauf qu'en fait là il y a un problème, c'est que du coup tu pourrais pas activer ici. En fait, il faudrait d'abord faire passer le mec. Ah ouais, mais non, c'est pas possible parce que sinon on peut pas appuyer sur les runes. Du coup, en fait, non, c'est n'importe quoi. Au pire, là, tout est ouvert. On peut déjà aller voir si la porte au fond là-bas est ouverte. Elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas ouverte, ça sert pour nous. Bah oui, on a appuyé. Donc elle était forcément fermée. C'était même pas une question. Bah go, j'y vais, j'appuie sur Léo. T'appuies sur ton truc, comme ça. Moi, ça ferme les spikes et ça ouvre la porte. Toi, tu appuies, ça ouvre les spikes. Est-ce que ça ne fait que quand on appuie sur celle qu'on vient d'avoir, est-ce que ça fait que ouvrir cela? Non, j'ai dit qu'il y avait eu deux roulements. Et est-ce que ça a changé ça? Oui. Parce que c'est en face, donc on peut le voir, enfin j'imagine. Oui, c'est ça. Vous l'avez Ah vu merde, et ça a changé. du coup en fait celle qu'on a vue, enfin ça, cette chose-là, c'est exactement la même chose que ça en fait.
Du coup, en fait, c'est chiant. En fait, ouais. Ça, il faut, ouais, il faut exactement la même chose. Cette chose fait la même chose que cette chose-là. C'est-à-dire que ça change, ça switch ça et ça. Ouais, sauf qu'on peut faire d'endroits différents, donc c'est worth. Voilà, ce qui veut dire qu'en fait, faudrait faire passer. En fait, faudrait progresser en commençant de cette salle. Et en permettant. Il faut juste. Non, mais il faut juste qu'on ait un mec aux runes là-haut, en fait. Et puis c'est bon, on peut tout régler. Ouais, mais faut savoir comment, en fait. Du coup, mais regarde, je vais t'expliquer ce que je vais dire. Imaginons, là je bouge le personnage, mais c'est juste pour me montrer à Maël. Tu vois Audric là? Tu le vois que je le bouge ou pas? Ouais. Donc en gros, regarde par exemple, imaginons Audric va là. Il appuie sur la rune qui ouvre cette porte-ci, la porte où on est. Et puis c'est fini en fait, on a fait. Et puis c'est bon, on aura juste à appuyer sur celle où on est maintenant et ça ouvrira la porte ici logiquement. La porte qui nous bloque. Tu te souviens? Et derrière, ouais, on pourra appuyer sur l'anneau pour ouvrir les piques en bas. On t'entend pas, tu t'es mute. Ah, pardon, il va être bloqué au final quand même? Non, parce que justement, là où on est, on appuiera et on peut activer ça. Et comment tu vas passer toi-même en fait? Bah, il y a une des trois runes qui active la porte où on est. Ouais, mais sauf que si on appuie, ça bloque la porte. Voilà. Mmh. Quelle porte? Bah, la porte où on veut aller. Ouais, ça la bloque. Putain, c'est compliqué. Et ça bloque aussi ici. En fait, quand on peut passer ici, ici, on ne peut pas passer. Et ce qui empêche du coup de passer directement par là, de la salle à directement là où on veut aller, ce qui nous oblige du coup à passer par l'endroit où on est. Ça nous oblige à passer par là. Ce qui veut dire qu'il y aurait forcément quelqu'un ici. Qui utilise la rune du milieu pour switcher ça et permettre à toute l'équipe de passer. Sauf que après ça, il faudrait que quelqu'un encore ici qui puisse permettre la personne qui est ici de passer. Bah dans tous les cas, on doit en laisser un là. J'appuie sur la rune du milieu. Tandis que vous réfléchissez à la stratégie adoptée et à grand renfort d'arguments, Luanalia vous fait remarquer qu'il y a une pièce que vous n'avez pas encore explorée. Ouais, je suis d'accord, je l'avais remarqué aussi en dessous des slimes. Ouais, il ouais, faut qu'il y ait quelqu'un qui aille ouvrir la porte. Elle disait juste ici. Ouais, bah faut qu'il y ait quelqu'un qui switch les trucs avec la rune du milieu. C'est la rune du milieu. Siegfried. Oui. Est-ce que tu permets qu'on fasse. Est-ce qu'on doit avoir un peu un bout de papier, un truc comme ça, dans notre inventaire? Oui, enfin, Aider n'en a. Ouais, c'est bien ce que. Dans ma tête, dans notre inventaire. L'inventaire du groupe, pour moi, c'était Aedirne. Voilà. Donc, est-ce que c'est possible qu'on fasse, entre guillemets, un petit plan, tu vois, et que du coup, on colore avec l'outil coloration et des runes. Enfin, pas savoir, mais juste simplement colorer quelle rune ouvre quelle porte avec les outils de la map. J'ai de la cire pour pouvoir écrire. Entre guillemets. Enfin pour représenter la map sous la forme de du JDR quoi tu vois. Je vous y autorise. Oh merci. D'accord. Du coup alors. Qu'est-ce que je peux écrire avec un couteau? Non. Je peux écrire. Dans ton matériel d'aventurier, tu as de quoi écrire de base. J'ai de la poche de sang. En plus j'ai la poche de sang si on pouvait pas. Donc oui. Des poches de sang, des bougies de couleur sang, on pouvait écrire. Et j'ai même de quoi faire des coloriages parce que j'ai plusieurs couleurs. On pourra colorier un petit dragon. Tu sais, avec les couleurs avec marqué 1, 2, 8, tu sais, vous faut colorer. Comme les petits enfants. C'est quoi déjà la rune du haut? Celle-ci? Ouais. Je ne me rappelle plus. J'appuie sur la rune du haut. J'appuie sur celle du haut. Ouais, je sais plus ce qu'elle fait. Moi non plus. Je crois qu'on avait rien vu. Un mail qui dessine quoi. Ah non, ça bouge au milieu. Ah, c'est mais ça. Ah, mais c'est ça. Ok, laisse que ça. Ah, mais du coup, ça nous débloque totalement en fait, on est con. Si ça bouge celle du milieu, ça nous débloque, mais alors un milliard de fois. Est-ce que la rune du haut fait bouger deux trucs ou un truc? Elle fait bouger deux choses. Deux choses, donc attends.
Comment tu fais pour dessiner sur la map? Avec Pinceau. l'outil dessin, le petit pinceau là. Donc voilà. Donc cette ruine fait bouger ça. Voilà. Un bon gros gribouillage bien dégueulasse. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on Ah, sait. On puis se dit que les mouches sont manifestement, couches. manifestement, ça a aussi ouvert ce truc. Est-ce on est capable de le voir puisqu'on est en face Oui. du machin? Ouais. Ah, ça a ouvert ça aussi? Du coup, en fait, c'est le bordel. Bah non. Ça, c'est vert et vert. Attends, j'ai pas pris le bon vert. Mais non, c'est bon, c'est large. J'ai regardé tout le bordel du lion. J'avoue, c'est bon. C'est bon, en fait. Là, Rodrigue, t'as juste appuyé sur le jaune et on peut tout se passer. On peut tout se passer. Presque tout se passe. Si, on peut tout se passer. Mais si, revenez. Attends, je rappuie sur le vert et venez tous. Non, non, pas sur le vert, pas sur le vert, pas On sur le n'est pas vert. sur le vert, toi. Mais Sur le si, jaune. mais suivez mes instructions. non, mais pas du tout. Si j'appuie sur le jaune, vous êtes obligé d'aller en bas. Ah oui, Bah c'est vrai, oui, on veut aller en vous bas. allez en bas et après tu rappuies sur le jaune. Comme ça Oui, tu ça, je peux passes. faire ça aussi. Vas-y, Voilà. vas-y, vas-y, fais-le, fais-le, fais-le. Appuie sur le deux fondant. J'appuie. Tu appuies sur le jaune. Voilà, Oui. tu vois, c'est magique. Ça C'est le marche buzzer. comme. Maintenant, on n'a plus qu'à aller dans la petite salle en bas. Bon, en même temps, au passage, on peut regarder ce qu'il y a dedans. Très bien, vous entrez dans la salle? Oups, j'ai fait une connerie, j'ai voulu déplacer mon token. Bah, Bien dépeins-moi joué. ça. Comment je T'en fais? as foutu partout, mec, t'es dégueulasse. Du coup, on peut descendre. Oui. Une petite pièce exiguë se révèle à vos yeux. Avec encore une rune. Espèce d'enfant. Je sais pas gérer les caméras. Yes! Encore une rune. Mais Mais ça putain! sert à rien d'appuyer dessus de toute De toute façon, façon. on s'en bat les couilles C'est. de. Au pire, on va juste On va les couilles, tester. s'en fout. On va quand même la tester pour voir. Je propose d'avoir voilà, d'appuyer deux fois histoire de savoir ce qu'elle fait. Edian, oui, tu rentres dans la pièce toi aussi. Et je souhaite appuyer sur la roue pour voir ce qu'elle enclenche. Oui. Par contre, je vais virer votre trait là rouge, je vais juste le pousser un petit peu. Ouais. Oh, la dernière a déclenché Picla. C'est inutile. On s'en Juste fout. ici, c'est inutile. Donc celle-là, c'est la violette. Attends, ça se trouve, ça déclenche une salle au trésor, tais-toi. J'avoue. Dans tes rêves. Dans tes rêves, c'est le trésor. Rodrigue, Par contre. celui En qui fait, on fait va descendre. ça. On va descendre, on va se rendre compte qu'en fait, il y a plein de portes à ouvrir aussi avec ces ruines-là en bas. Et déconne pas, sûrement, c'est sûrement ça en plus. Si ça, par contre, j'ai une légère rage en moi, parce que ce. Du coup, celle qu'on vient de toucher vient d'ouvrir seulement ça? Rodrigue, tu étais dans la salle principale et tu as remarqué que ces pixies ont changé. D'accord. Donc ceux-là sont aussi activés par la ruine. Oui. Rappuyez dessus. Rappuyez dessus. Ah, ce qui veut dire qu'en fait, c'est genre cette ruine nous sauve en vrai, elle nous aide en tout cas. Non, ce qui veut dire, c'est rappuyer dessus, on s'en fout. Donc je vais Rappuyez rappuyer. dessus. Pour Et on remettre va les pics en vrai. gueuler à Roderick qu'il rappuie sur la rune du milieu jaune. Je rappuie sur le jaune. Appuyez sur le jaune. Mais sûr! Donc vous appuyez sur la rose? Et Ouais, vous on réappuyez réutilise la sur. rose. La rose et la Pour jaune. rétracter les pics. La jaune, très bien. Et on y va tous. Voilà, donc là on peut tous passer.